Bonjour à tous, je m'appelle Lucas, j'ai 19 ans. J'ai commencé la MAO il y a 5 ans, où donc j'ai appris à faire de la musique électronique sur FL Studio. Je suis encore sur FL Studio. Et donc aujourd'hui, je lance cette chaîne pour vraiment essayer de vous faire un maximum de tutoriels, donc sur FL Studio bien sûr, donc un maximum de tutoriels qui n'auraient pas été traités en français ou des tutoriels basiques pour vous apprendre vraiment les bases d'FL Studio. Et j'aimerais aussi vous montrer des sons que j'ai faits, parce qu'il faut savoir que dans ces 5 ans, j'ai aussi été ghost producteur, donc j'ai un panel de genres, un panel de styles à vous montrer. Et donc j'aimerais donc sur cette chaîne vraiment vous montrer des méthodes d'organisation pour vos sessions FL Studio. Des outils qui vont vous permettre aussi de faire tel genre ou d'avoir un drop qui sonne, une mélodie qui sonne un peu mieux. Donc pour vous faire, pour me présenter un peu sur mon parcours, ça fait 5 ans que je fais de la prod et j'ai lancé il y a 2 ans un projet qui s'appelle Casus qui est bientôt maintenant à 260 000 plays sur SoundCloud et à peu près sur les vidéos partagées par des grosses chaînes YouTube. Ça fait à peu près 150 000 vues YouTube. C'est vraiment un projet qui m'a aidé à apprendre énormément sur la production, à me développer personnellement. Et donc, ce que je vous propose, ce que je vais vous proposer et vous propose dans l'instantané, ça va être. Donc, je vais essayer de, sur chaque style, vous montrer quelles sont les composantes d'un style. Et par la suite, vous faire des tutoriels. Pourquoi pas créer des formations un peu plus poussées. Ça sera en fonction de si la chaîne va vraiment évoluer et monter. Et donc ce que je vous propose de faire, c'est de faire un truc assez marrant, c'est de vous montrer donc ma première prod il y a 5 ans et la prod, l'une de mes meilleures prods actuelles et comme ça vous allez pouvoir voir l'évolution que j'ai eue en 5 ans. Donc on y va, donc ma première prod il y a 5 ans, donc c'est vrai que c'est assez marrant. Voilà, donc on peut voir sur cette prod le kick basique, le snare basique d'FL Studio. Donc c'est vraiment un truc de base quoi quand on commence sur FL Studio. Et ma prod actuelle où vous pouvez voir beaucoup d'autres techniques et surtout une évolution au niveau des mélodies, etc. Donc c'était juste pour vous montrer l'évolution que j'ai eue sur 5 ans et vous montrer vraiment quel va être le sujet de cette chaîne et en espérant qu'elle va vous aider et pourquoi pas faire développer tout ceci en faisant des formations beaucoup plus avancées. Ça sera vraiment par la suite si j'arrive à regrouper des gens sur ma chaîne. Voilà, merci, c'était une petite présentation. N'hésitez pas à vous abonner parce que je vous dis que dans les mois qui suivent, il va y avoir énormément de tutoriels et de choses qui vont sortir. Voilà, ciao!